C'est un peu un chien, c'est un peu un cochon. Voici Guillaume Audiez. Le meilleur lancement. Le meilleur lancement. J'avoue, mais non, quand il faut le dire, il faut le dire. T'es une baguette. Ouais, ça va, les amigos. Ça va. Et là, je crois que ça y est. Hein. Quoi? Je suis fini. Oh, ça fait un moment. Vous allez me faire, ouais, sans blague, ta dernière chronique, il y avait encore un pianiste. Ta dernière bonne chronique, il y avait encore un pianiste dans l'émission. C'est une inside. Ouais, en attendant, qui c'est le chroniqueur le plus podcasté de toute cette radio? Qui c'est? Tanguy. Non, qui c'est? Vraie question. Qui c'est? Paul. C'est pas moi en tout cas. C'est sûr que c'est pas moi. Non, je sais pas. C'est à ma décharge. Je sais pas, tu poses des questions sans avoir la réponse. Oui, pas la... à ma décharge, France Inter, il met jamais en valeur. Mes chroniques, il les poste sur Vimeo avec un mot de passe. C'est Nagui qui l'a, il a oublié. Il m'a dit c'est un truc en in. Je me suis dit, te connaissant, ça va être farine, cocaïne. Il m'a fait non, essaye consanguine ou ma cousine. Du coup, bonne chance pour tomber par hasard sur mon travail. Non, je vais vous dire pourquoi je suis fini. Les amigos, je vous promets, c'est officiel. Je tiens plus l'alcool. Non. Comment? Mais quoi? Non, putain, je tiens plus l'alcool. Tu gagnes l'alcool. Mon seul talent, ça me venait de ma mère. Dans son utérus, il y avait un mini bar. Quand elle a perdu les os, l'infirmière a tout récupéré pour faire un pot de départ. Vraiment. À l'origine, ma mère, elle voulait m'appeler 2 grammes en hommage à sa grossesse. C'est mon père qui a choisi Guy en hommage à la cruauté. Hein, vraiment. J'étais une machine de guerre niveau picole. Mon foie, il l'attend à la Sorbonne. Il y a déjà un bocal à son nom et tout. Combien de fois je suis pas venu ici en lendemain de cuite? J'arrivais dans l'émission bourré, comme Leïla, tu vois. Sauf que pour moi, personne s'en rendait compte. Eh ben, je tenais trop bien. Je pouvais faire la fête 5 nuits d'affilée le matin. Je ressemblais à Meghan Markle. J'étais frais comme un chavreux, quoi. Et puis, il y a eu le Covid, sérieux, le Covid. Avant le Covid, j'avais une descente de plantes vertes. Je buvais n'importe quoi, whisky essence, rhum cérumen, n'importe quoi. Mon adresse, elle était dans le guide du routard de la Pologne. Il y avait écrit, c'est un détour 1300 km, mais Ernesto, c'est un compétiteur. C'est vrai, c'est dingue comment j'ai vieilli brusquement. Il n'y a pas si longtemps, après 12 vodka, j'étais vaguement tipsy. Là, je bois 3 gin tonic, je suis en pronostic vital. Il me faut 17 jours pour récupérer. J'ai même pas 40 ans, j'ai plus des gueules de bois, j'ai des mini Covid-19. Je perds le goût, l'odeur, l'ouïe, le sens du toucher. J'ai l'impression d'être Mathieu Amalric dans le scaphandre et le papillon, quoi. Franchement, il me reste la vue pour voir à quel point je suis foutu. Franchement, cette pandémie, elle m'aura tout pris. J'ai fait l'amour 4 fois, patient zéro. Mon sgeg, il a des aides d'état. Franchement, dans deux mois, c'est la clé sur la porte, vraiment. Et maintenant, l'alcool, ça me donne une de ces envies de crever dans un cubi. Sérieux, mon corps, il m'envoie un signal. Sérieux, il me dit, Ernesto, fils du chien de fusil, tu t'es bien amusé dans la vie. Maintenant, accepte ton âge et va t'inscrire à ton cours de crochet. Vraiment, ça va être ça, mes prochaines chroniques. Ah, les amigos, je vous ai raconté comment je galère en maille serrée. Ah, mais je vous ai quand même tricoté une moufle. Ben, voilà. C'est la fin des haricots. Et ce qui me mine, c'est que tout le monde te prévient. En plus, tout le monde te le dit quand t'es jeune. Un jour, tu vas voir, c'est les cheveux qui tombent et les couilles qui pendent. Et toi, tu réponds, ou l'inverse, Daniel. Ou l'inverse, Daniel. Daniel, il a pas un slip, il a un trampoline. Vraiment, et ils sont bien gentils à Inter de lui donner une chaise percée. Mais bon, secrètement, t'espères toujours passer entre les mailles du filet. Au fond de moi, je me disais que je serais le premier homme à jamais mourir. Quoi. Quand j'aurai 263 ans, Dieu allait se faire. Attends. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, non? Il est monté en quelle année? Quelqu'un a vérifié son billet? Et je m'attendais à une meilleure réaction de votre part quand j'ai écrit le texte. Oui. Mais c'est implacable, la vie. Non, mais c'est vrai. Moi, je m'attendais pas à ce bide, mais je le prends. Je l'accepte, je le vénère. Mais c'est implacable, la vie. Il y a un côté d'échéance inéluctable qui rend fou. Là, je relis le mythe de Sisyphe de Camus, par exemple. Et ça pose une vraie question. Le Y, tu le mets au début ou à la fin de Sisyphe? Vraie question. On hésite toujours. Ça, Leïla, elle le sait quand elle est sobre, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois quand même cette année. Tous bas en fil de pêche. Je me faisais une joie d'attaquer l'après-Covid avec des fêtes en tout genre. Mais là, c'est mort. Après 4 rosés, je suis aux confins du vomi. J'en bois 6. Je m'endors dans un lit. Je me réveille dans une étable. Vraiment. Et moi, j'ai jamais été bovidé comme garçon. Alors là, c'est clair, tout peut arriver. Du coup, je crois que je vais arrêter complètement l'alcool, ce qui vaut mieux pour mes cours de crochet. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Guiz. Ouais, je donne le code pour revoir Guillermo quand même sur Vimeo. Ouais. C'est consanguine, en hommage à tout ce que tu as raconté. Il y a Y dedans ou pas?